Le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel. Crédit Mutuel. La banque à qui parle. Thank you.
Que je suis en train de faire en ce moment, où je vais, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je fais tout ça. Je fais de la pub pour Nike, Puma avec ma veste noire et jaune, j'en ai fait pour Adidas avec la veste bleue. Et ils me conseillent d'aller voir un psy, mais je sais toujours pas lequel. Tu vois, je sais pas si c'est un. Tu vois, moi je te demande pourquoi. Je suis dans la spiritualité. Je suis en train de faire. Je vais tout vous montrer. Un psychopathe, un psychorigide, un psychodrame, un psychédélique, pourquoi pas. Voilà, c'est ça la spiritualité. Ça se passe comme ça. Donc moi aussi, hein, c'est pareil, je comprends pas quoi ce que vous me dites là. Tiens, je vais faire de la pub pour les Chinois aussi. Ils en ont pas trop besoin, hein. Les Chinois ça marche bien pour eux. Surtout que je viens de trouver un producteur là, dis donc. Non, tu crois pas? Peut-être besoin que je le fasse en dessin. Et là on rentre en harmonie avec l'univers, les 12 harmoniques. On est bien d'accord. Apparemment en 440 il n'y a que 8 harmoniques. Sur les notes, et ça nous fait des notes à la virgule. On tombe pas sur des entiers, contrairement au 432. Où il n'y a pas de virgule, quoi. Il n'y a pas de bavure. Bon. Alors, je vais enregistrer. Ça sera pour tout à l'heure. Ok, bon, bah voilà. Ah, c'est pas dur. Hein. Alors, on va mettre la lumière. La lumière fut. I'm not going to be able to do that.
C'est pas la hauteur de ce que c'est comme ça. Je vais revenir bientôt. Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu as contre toi ceux qui veulent faire la même chose, ceux qui veulent faire le contraire et l'immense majorité de ceux qui ne veulent rien faire. Ah ouais? Ce petit quelque chose en plus qui fait que on sait qu'on va en ramasser plein la gueule. Donc il y a déjà une préparation psychologique. Mais ce qu'on va connaître, je le résume toujours avec deux titres de films, c'est La Guerre du Feu et Mad Max. Guerre du Feu pour le côté brutal, vraiment à l'image préhistorique, et Mad Max pour la folie et les moyens techniques. Oui, oui, c'est guerre, c'est les magasins qui vont être pillés, les magasins alimentaires, les massacres, les viols, les assassinats en tout genre, l'homme est un loup pour l'homme. Et là, croyez-moi, les droits de l'homme, ils vont pas peser lourd. Là, vraiment, on va voir la nature humaine dans toute son horreur, c'est-à-dire que, mis à part quelques personnes qui resteront encore civilisées dans leur comportement, malheur aux malades, aux faibles, à ceux qui courent pas, qui ont des problèmes de santé. Enfin bref, malheur à tout ça, parce que eux, ils dégageront. En fait, ça sera la loi de la nature. La loi de la nature comme dans la savane. Hein. Le lion, la gazelle qui a la patte brisée, terminé, il dégage. Et donc toute personne qui présentera des faiblesses psychologiques, physiques, sera éliminée. À ce côté-là, resteront que les gens solides. Ceux qui ont échappé aux bombes, etc. Ou à la fin, la nature va trier. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Quand votre entourage vous écoute, comment ils agissent? En gros, ils sont acquis à la chose. Et ils sont quand même inquiets parce que... Vous faites du souci pour les plus faibles. Oui. Vous pensez qu'il y a des solutions? Non. Aucune? Non. Alors évidemment, sauf celui qui vit perdu dans la langue bretonne, a peut-être une chance. Mais toute personne, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Il faut arrêter de se... Bon. Toute personne faible psychologiquement, c'est-à-dire les minets, ceux qui regardent Justin Bieber, hein, et des conneries de ce genre, mis à part quelques-uns qui se réveilleront, parce qu'il y a toujours, même dans les minets, une âme forte qui peut, résider, qui fait que face à l'épreuve, la personne se réveille. Mais mis à part ces quelques personnes, ça va être l'effondrement. Ceux qui sont habitués à se droguer, terminé. Ceux qui sont habitués à picoler, terminé. Ceux qui sont fragiles, ils vont s'écrouler, sangloter, ben sont éliminés. Tout simplement. Voilà. Et c'est ceux qui seront psychologiquement les plus solides, physiquement les plus solides, et qui auront aussi un peu de chance, parce qu'on peut avoir ces qualités-là, mais si une bombe atomique vous tombe dessus, ça ne change pas grand-chose. Mais si vous avez un peu de chance, vous avez une chance de durer. Pour le reste, ils dégageront. Vous pensez qu'on est dans une phase de l'histoire comparable, voire même pire? À l'époque que nous vivons et nous sommes qu'au début, est extraordinaire. Vous êtes heureux de la vivre ou vous auriez préféré vivre une époque plus paisible? J'avoue que je balance un peu entre les deux. Il y a des moments où j'aurais aimé vivre une période plus sereine. Mais en même temps, il y a le côté entre guillemets excitant de voir une époque... extraordinaire, on va passer d'un monde ancien à un monde nouveau. Simplement, il va y avoir entre les deux un filtre. On pourrait avoir un peu de musique. T'as toujours pas remarqué qu'on se foutait de la gueule?
ça te vient pas à l'esprit, ça. Ça n'a pas d'odeur. Le message est clair, Monsanto, il n'a rien à faire en France. Tu la sens bien ? Il y a des filles qui rigolent, c'est normal. C'est tout à fait normal. Elles sont pas habituées à voir un mec. Un mec qui a envie de niquer. Mais pas une pétasse. Enculé. Ordure. C'est ça, la priorité. The New World, ordure. Cette bande de grosses baltringues, il va se prendre une belle grosse folie de grenade. Son petit cul-pêche. Tu m'entends, mon copain? Et 1, 2, 3, soleil. Tu m'entends, mon copain? Je suis pas très loin. Cette vidéo là, c'est pour répondre à tous ces détracteurs là, ces parés là, mais toutes sortes de bandes de loups là. Vous êtes là, vous racontez quoi avec vos messages de parés? Ouais, rien de convulgaire, allez vous faire enculer. Voir votre père, votre mère, vos frères et soeurs, tout ce que vous voulez, votre chien, votre chat. Mon bois les reins, je vous ai déjà dit, les critères de vérité ne sont pas les mêmes que les vôtres. Respectez ça. Moi, pour moi, je suis de l'eau de rose, je suis de un jardin fleuri quand je parle. Moi, pour moi, la vulgarité, c'est là. Par exemple, je vais vous donner un exemple. C'est les sociétés dans laquelle on vit. Bon, de tarlouze, putain. J'ai voté le mariage gay. Dans un pays où ça s'encule légalement, vous venez me casser la tête et vous parlez de vulgarité. Par exemple, prenons cet Européen, là, Juan Carlos, là. Votre héros, là, d'Europe, là. À qui vous donniez la parole partout quand il s'agissait d'arts martiaux. En Suisse, en Espagne, en Belgique, en Allemagne, en France, Canal+, talala. Wesh, le mec il s'est même pas levé la jambe pour être franchement valéreux. C'est-à-dire il est parti, il a inventé une histoire mythique, il a dit moi je suis le dernier moi de Charlie, je suis le poney, je sais pas quoi, rien. L'Espagne elle lui a donné des salles, c'est une attitude bien égale, il a financé des millions, il entraînait des écoles même partout. Et en fait le mec c'est un tueur en série, un canet d'Afghan, il voit des couleurs assassins, il découvre des menaces, il est mangé, on sait pas qu'est-ce qu'il fait, il est volé, il crie. Il faisait tout la totale en fait. Voilà. Voilà, un cocktail. Et le pire, c'est que quand il est parti combattre dans un tournoi en Asie, il s'est fait balayer et monter en l'air en 2 secondes. Ça fait 20 ans qu'il travaille dans les arts martiaux européens. Quand il est parti se taper, en 2 secondes, un moine Shaolin, il l'a monté en l'air, il l'a mis KO. Les Miyako, ils ont dit, mais comment ça se fait, cette pédale, elle est venue en tournant, il s'est même pas levé la jambe.
très gentil, oui, bah attendez, excusez-moi, on va faire des recherches et tout. C'est là que l'espoir s'est demandé, bah attends, c'est quoi cette quenelle qui nous a mis lui, tu vois? Et même ses élèves, ils savaient. C'est oui, oui, tuer tout le monde, il était bizarre comme truc, mais comme c'est un européen blanc, la norme, tout ça, voilà, il était un peu dégueulasse, voilà. Déjà, je vous parle de vulgarité, que des dieux dans ce cas. Regardez-moi ça, un gendarme, ce cas, que des dieux dans ce cas. Regardez-moi ça, un gendarme. Oh, c'est quoi, ça je suis d'accord, j'avance rien. Un gendarme officiel, ça chlaque sa femme. La vraie tour, mais hey, moi je vous ai dit, y'a que des camions dans le monde. Moi j'avance rien, ça aide, ça me dirait rien. Dans le vodka, y'a que des camions, y'a que des schlags, que des dieux dans ce cas. Moi je suis rien, c'est la société dans laquelle on vit. Ça c'est vulgaire, d'accord. Donc arrêtez de regarder tes pas et de vous rendre fou avec tes pas et de venir dire, moi les miens, je suis trop vulgaire. Y'a que des schlags, y'a que des dieux dans ce cas. Moi je suis rien, c'est la société dans laquelle on vit. Dans ta gueule, fais des recherches. Regarde la société dans laquelle tu vis, le monde est en train de viens moi dire que moi, quand je dis ferme ta gueule, c'est ta vulgarité. Ça, c'est une caresse, c'est gentil, c'est tes paroles. Vas-y, contacte-moi. Viens, moi, donne-moi un numéro de téléphone. Quand tu dis, y'a pas de soucis, je suis quelqu'un de vulgaire. Les balayettes, les blessures, les actes de barbarie, y'a pas de problème. Moi, je suis là, y'a pas de soucis. Donc, merci à tous, et comme je dis, allez vous faire enculer si vous avez quelque chose à me dire. Téléphone, rendez-vous. Pour toi, va faire dodo. Salut à tous, nous sommes le 2 juillet 2014. Bienvenue en franc-maçonnerie. Sous le règne de François le Simple. Évidemment. Ça bombarde, ça casse. Grand plaisir des patrons de laboratoire, évidemment. Bouffon. La maladie, ça rapporte de l'argent. Cautionné par tes élus, évidemment. Alors les moutons, on prépare encore des mensonges. On ment sur la France, on donne pas les vraies informations. On en a marre de vous, les gars. Va falloir changer tout ça à ITélé. Ah, les corrompus, les menteurs. Alors les menteurs, hein, même bien. Faut pas travailler pour les collabos, hein, mon gars. Désinforme les Français, on ment. Eh bien, on traite les gens d'antisémites. Et les 1000 enfants par an qui disparaissent et les 100 000 violés, ça, ça... Non, jamais... Entre pédophilie, criminalité et leur balance, comme tu vois, ça fait 30 ans qu'on fait que c'est un carabo, des fils, petits-fils, des collabos et soyeux et criminels. Ça crée une contre l'humanité, c'est autre chose que la corruption. Non seulement elle mérite même pas la justice, c'est ce que tu veux dire. Oui, je vois bien ce que tu veux dire. Comme ça, il y a des gens comme ça. Ça s'appelle des photons puceaux, première génération. Ils sont au service de la base vibration, ils sont en train. Ils commencent leur fabrication. Mythomane, kleptomane. Assister à la rupture du système. Oui, oui.
Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors, ouais, je voulais parler aussi, bah, tiens, vite fait, des crop circles. Des crop circles, donc, il y en a un qui est très grand, le, qui fait 500 mètres et des bananes, l'homme papillon, la chrysalidate. Et la plupart des gens sont pas prêts à entendre ça. Déjà pas prêts à voir, le papillonnage, partiel, silencieux, le mec qui voit pas. Non. C'est bien. Ouais. C'est des réalités. Oui, l'amour est dans le trou. Oh,
Ça me ferait plaisir. N'importe quoi, hein, c'est juste pour l'exemple. Peut-être que je suis peut-être pas très différent d'un mec qui était sur ses petits jeux vidéo. Moi j'ai un petit peu plus de boutons hein, que sur une manette de PlayStation qui en prend 4, je crois ça va. C'est pas énorme. Hein. Ah bah ça t'allume plus de cases. Hein. T'en as peut-être une pour penser à ce que tu vas faire de ta vie. Comment tu vas manipuler tous les boutons pour faire ton code de carte bleue, faire tourner une machine à laver. À un moment dans des considérations métaphysiques. Ah bah je commence à me connaître. Hein. Éviter toute supposition et comprendre qu'on est dans une société d'inversion. C'est tout ce que je vous demande. Merci de votre compréhension. Donc c'est soirée disco là les amis, ça commence un peu tôt, il est 11h du matin.